C'est dans l'église Saint-Pierre, dans la commune Pétionville, une autre cérémonie funéraire est organisée pour Mika Ben, côté diverses personnalités dans le monde musical, là, mais tout dans le secteur politique, là, te répondre présent pour rendre un dernier hommage à l'artiste Mika Ben. Et proche famille en tout, te fait déplacement pour venir rendre un dernier hommage à Mika. Ah ben, famille artiste là nous songe qui t'ai perdu la ville dans concert qui t'a fait en France ensemble avec groupe Karimi. Famille artiste là surtout frère Axel te gen quelques mots pour dire sur la vie artiste là pendant cérémonie ici là. Il a toujours entouré de son amour. Merci à tous les membres de la famille toujours présents à quand tu as besoin solidaire l'amour et pour que notre d'amour. Merci particulièrement à notre artiste Manon pour cette magnifique et une famille avec le cœur d'amour. Merci aux amis proches et lointains, à toutes les femmes de Mika du monde entier, pour ces messages d'amour, ces témoignages de la vie de Mika qui nous réconforte et nous donne le courage de continuer la route. Je m'inspire de la bien courage de superbe antique équipe de Nathalie Lemaire, commentant la cérémonie du 6 novembre. Mika, et nous pourrions ajouter Mika pour faire du travail pour nous. Merci Mika de nous transmettre cette paix et cette lumière à la vertu maintenant et qui nous donne le courage de nous engager à aller au bout de tes rêves, de ta mission à travers toutes ces différentes facettes artistiques et sociales. Merci pour cet espoir pour la paix que tu as fait naître dans le cœur de tant de personnes à travers tous les symbolismes autour de ton époque. Cette réunion de Paris, ton drapeau autour du groupe devant des milliers de personnes, ton commentaire à présenter sur scène, Haïti, ça c'est pour vous. L'esprit de collaboration de tous ces artistes qui arrêtent la célébration du 6 novembre un vrai succès artistique. Des rapprochements se sont faits de manière plus subtile entre certaines personnes. Et cet état d'esprit autour de l'importance de l'amour que tu as fait naître dans le cœur de tant de personnes. Avant de s'en aller, nous avons eu beaucoup de réunions de travail. Tu as travaillé avec nous à finaliser ta mission, ton plan d'action, à évoluer ton équipe de travail. Tout y est, tout est clair pour nous. Nous aurons juste à mettre notre devoir au repos. Alors, tous ceux qui avaient participé de cœur de loin à l'élaboration de cette plan d'action pour sa carrière, pour la fondation Tissou, tous ceux qui nous ont contactés depuis pour nous offrir leur collaboration, attendez-vous à un appel de notre part. Merci beaucoup. La mort Mika Ben t'est inspiré Dave Har, un artiste peint, réalisé portrait Mika, qu'il souhaitait rencontrer famille pour lui remettre Evza. Ok, non pas monsieur Dave Har, mais ça c'est Mibale. Ok, moi prends 3 jours pour me réaliser ta tableau ça. Et comme dit non, c'est avec un peu d'émotion et moi te réaliser pour faire ça pour les gens ça qui va dire. Parce que me manque courage pour me faire. Parce que les gens comme ça, pas tout une équipe pour me réaliser. Mais après, une sorte de musique qui est vraiment réconforté pour me réaliser. Pour réaliser aussi bien, apparemment, Mika a présenté un exemple. Comment on t'a trouvé Mika dans la vie culturelle en Haïti? Bon, j'ai trouvé elle comme un modèle, on est capable de suivre. Et tant de musique, li, tu vois, tout ça. C'est ça qui inspire ou fait ça? Oui, exactement. Okay, et, pour ça, et pour ça, elle fait un pour Etchimay. Et vous parlez de Etchimay et nous, et Achaté Mersoumika, il n'y a pas aucun artiste qui mettait pied là. Comment comprendre ça? Bon, je ne vais pas finir comme ça mal, 100%, parce que nous vivons dans un pays qui vraiment pas de sécurité. Parce que si on ne peut pas déplacer comme ça, ça n'a pas de sécurité. Même moi-même qui prends la rue, c'est avec un peu qui a sauté. Mais vous avez musique Mika ou bien aimé qui musique? Ok, musique Mika ou bien aimé, c'est Haïti C. Haïti C. Musique ça. Vraiment aimé. Il y a plein d'autres musiques que moi aimé. C'est pour vous, en 24 décembre. Mais vous jouez avec un famille Mika déjà, pour t'arrêter aussi belle œuvre ça? Non, pourquoi je jouez avec un famille non? Moi, je pensais pour moi à la caille pour me remettre. Ok. Pour mon message, vous voulez vous ébager de ça? Nous connaissons Mika, c'était modèle. Pour mon message, vous voulez vous ébager l'autre jeune?
Ok, ça m'a pas voulu, un message m'a pas voulu pour Zenio, m'a pas dit, Kibé FM, poursuivez-vous, malgré venir à facile, malgré bah, yo difficile dans le pays, bon courage. Si on a besoin de contacter l'artiste, il va bah non avec un numéro de téléphone. Ok, non pas c'est DFA, je me dis encore, numéro de téléphone, c'est 35 13 85 41. Vous pouvez vous contacter l'artiste là sur les réseaux sociaux. Vous avez un numéro? Numéro c'est 35 13 85 41. Et pour est-ce que nous sur Facebook, Instagram? Oui, Dave, oh, logo Missouli. Musicien qui était présent dans l'occasion cérémonie funéraire, ça, te fait un pile monde frémi quand il fait chair de poule avec musique Haïti C. Une plus belle musique, Mikaben réalisée, que musicien qui était là dans l'occasion, t'a exécuté devant l'église Saint-Pierre en présence San Mika qui a mis dans un bocal côté frère Lité Kembe à côté seul, maman et papa Mika. Thank you.
Réaction yo te continue sous la vie Mika. C'est cas pour Clarence Renoir avec l'autre personnalité encore qui était présent dans la cérémonie funéraire ça dans l'église Saint-Pierre. Michael Benjamin, c'est ça. En résumé, pour moi-même, son voix qui est dédiée à parler de Haïti en bien, son voix qui montre nous les couleurs, les plus belles couleurs d'Haïti. C'est un garçon qui est dédié à écrire et à porter le drapeau Haïti avec fierté. Je pense que c'est normal que moi-même, en tant que citoyen haïtien, je rende hommage pour tout le monde qui va venir. Et en tant que politique, je vais qu'on y a là. Pour moi-même, Mika Ben réussit un bagage, en tout cas, il y a un Tamil. Je vais dire que je vais faire même bagage avec lui. Il a amorcé l'union, la réunification, la réconciliation des musiciens. Il fait les avec Karimi, il fait les sous scène à Accor Arena à Paris. Mais là, dans le pays, nous besoin ça. Nous besoin d'une étincelle qui pour faire que le pays a, que nous sommes capables avec l'autre. Que nous sommes capables d'un adversaire politique. Pas pour un adversaire dans n'importe qui compétition qu'a gagné. Mais nous pas des ennemis pour autant. Nous sommes haïtiens nous tous. Donc, je pense que l'inspiration Michael Benjamin, œuvre li parcours li, capable, ou inspiration pour homme politique, qui est doué dans voie li, pour des messages non-violence, si ça m'a fait tout le temps, pour des messages dialogue, pour des messages tolérance et réconciliation. C'est la seule façon pour Haïti, ce qu'on est là. Parce que, à visiter l'église chaque jour dans le monde, on a fini avec cœur. La finir avec espoir. L'île pour le pays a commencé à vivre à travers toute sa gueule comme beauté naturelle et à travers toute sa gueule comme être humain qui est capable de déconstruire le pays. Donc on est un journaliste et pendant 15 heures, Mika qui était marqué plus Haïti. Il était marqué pendant que j'étais journaliste encore parce que je me suis présenté sur le spectacle. Je me donne des musiques là, je me suis présenté Mika Ben, je me dis waouh, ça c'est un hymne à Haïti. Haïti. Évidemment, si je suis tout le jeune, si je suis tout le monde est si je suis mais Haïti, c'est pour moi-même qui en Haïti, qui a vécu en ce moment là, l'autre vient me frémir. Ou senti qu'on visite le pays à travers les mots d'une chanson, à travers les paroles d'une chanson. Ou à goûter manger chaque côté pays à travers les mots. C'est extraordinaire. C'est pour moi une ode à Haïti, c'est un hymne à Haïti. C'est Haïti. Haïti, c'est. Haïti toujours laisser passer les bonnes occasions. C'est tout simplement que vous avez répondu. C'est l'homme qui finalement remet le débat en Haïti. Prendre la politique, tout même bagaille. C'est l'homme qui finit passé, il va réussir au courir derrière lui, au jeter. On dit, oh, on est un bon président, oui. Je dois le courir au jeter. Et ainsi de suite. C'est Haïti. Vous pensez que vous avez changé de comportement parce qu'avec ce genre de artiste qui vous présente Haïti valablement sur le territoire national? Absolument. Absolument. Je pense que la solidarité est en accueil pour l'artiste. Mais nous, nos pays, tout petit, pas un corps, nous ne sommes pas dans le spectacle. On peut dire qu'un pays ne peut pas organiser aucun spectacle. En réalité, c'est un spectacle qui est dans le pays, c'est enterrement. Je dis à Rexter pas existé encore, salle cinéma pas existé encore. Côté à côté Haïti pas aller comme ça. Nous besoin de construire ça. Moi-même dans la génération, pas de dans le cinéma. Je me demande dans le cinéma sous le bord de presse, pour Matisse dans le cinéma, Donald Matisse à Carrefour dans le cinéma, à pied. Je dis à nous faire du bagage ça. Parce que des politiciens malhonnêtes, qui passent pendant 30 dernières années, ils vont avoir l'autre bagage qu'ils ont fait. Armée des jeunes, qui ont bien élection, qui ont bien pouvoir. Ça, c'est la première condamnation qui doit être faite pour le monde, ça. C'est le pays d'Haïti là. Ces politiciens-là, nous connaissons. Nous voyons la caméra, nous voyons le micro une fois. Nous construisons le monde, ça. Je dis à me passer un moment, je peux déconstruire le monde, ça. Mettez-vous sous côté, par une autre série de voix par les bonnes là. Voix de la tolérance, voix de la modération. Voix de l'union et de la réconciliation, voix de l'amour pour Haïti pour les autres. Encore une fois, je vais répéter, je suis un adversaire politique, mais je ne suis pas un ennemi politique.
Donc, nous sommes tous capables de travailler ensemble pour nous sauver Haïti. Merci pour acte, journaliste, à se poser une question. C'est que, si vous ça, qui message m'a dit à l'autre artiste? Moi, je dis tout l'autre artiste. C'est que, tu as de bon musée des artistes en Haïti. À partir de ça, qui est Mika Ben. C'est que, on pose une question. Guitare Mika Ben qui est conduit à côté de Bradley Sposé. Faut dire qu'on côté, mon musée, qui sont musées des artistes, qui sont musées national des artistes. Pour ni de la pour Mika Ben mourir avec là, bon côté est exposé. Ni rat Mika Ben mourir ensemble avec là, sous scène, bon côté est exposé. Ça, c'est des bagages qui sont importants. Et puis, il y a un bagage qui est dans quatre cérémonies. Où sont les artistes? Est-ce que tout artiste pays a quitté le pays, n'est-ce qu'il a allé dans le pays étranger? Surtout quand vous avez quitté le pays à marcher. Vous comprenez? Est-ce que l'autre artiste local, parce que vous manquez ou artiste là, vous valez artiste dans le pays, vous valez les cap chanter, ils ont une cérémonie ça là, t'es de plein artistes qui viennent rendre hommage ça. Est-ce que tout artiste ça ici, vous n'avez pas étranger, dit bien? Allez dire en ce sens, artiste nous-mêmes, nous avons comme devoir, je ne vous dis pas, par contre ça ne va pas faire, si son fond, si son bagage, pour nous prendre initiative ça ensemble avec l'État ici, pour nous musée des artistes. Parce que son méga star, mais. Mika Ben pas n'importe artiste. Et monsieur qui ton héritage, mon musique, Haïti chéri, ou jamais un mot. L'obtent des mélodies, l'obtent des solos, l'obtent des musiques, profondeur qui n'a texte, ça veut dire un paquet de bagailles. Vous comprenez? Ça veut dire moi-même, comme citoyen engagé culturel, j'ai choisi de faire hommage à Mika Ben en d'un quartier, Pamna, qui c'est quartier côté ma vie. Mika Ben, Michael Benjamin traversé. Il n'est pas là encore, mais musique li yo a prêté. Et Mika a prêté un artiste modèle pour un pile jeune haïtien qui voulait prendre route musique pour eux-mêmes, yo capable faire carrière yo. Mika Ben, un pile monde témoigné de lui comme un artiste tout qui toujours prêt pour aider l'autre artiste, pour collaborer avec l'autre artiste pour aider yo avancer. Mika allé, mais Eve li yo rete et Eve li yo rete gravé à jamais dans mémoire Haïti, la mémoire chagrin haïtien.